Enzo Royer, dans extrait du livre du cas du docteur Jekyll et Mr. Hyde. Très tard, par nuit maudite, je mélangeai les éléments, assista à leur ébullition dans le verre. Puis, quand toute fumée eut disparu, je pris mon courage à deux mains et d'un seul coup, avalai la mixture. Suivirent les douleurs les plus effroyables. Je sentis mes os se désagréger. Je fus pris de terribles vomissements, en même temps que j'éprouvais une angoisse dont l'intensité est même, dont l'intensité celle égale certainement celle qui préside à notre naissance ou à notre mort. Peu à peu, ces affres commencèrent à disparaître, et tout d'un coup, je revins à moi, avec l'impression que l'on éprouve au sortir d'un grave évanouissement. Quelque chose d'étrange en mes sensations, quelque chose d'ineffablement neuf, et en raison de sa nouveauté même, d'une douceur incroyable. Je me sentais plus jeune, plus léger, plus leste. Intérieurement, j'avais conscience d'une capitale insouciance, d'un courant d'images, sensuelles, désordonnées, qui me trottait par l'imagination, comme un carrousel endiablé, un affranchissement de tout sens du devoir. Une liberté inouïe, mais non point innocente de l'âme. Je me reconnus dès les débuts même de cette nouvelle vie, 10 fois plus pervers, 10 fois plus méchant, 10 fois plus esclave du péché originel. Et cette pensée, en ce moment-là, me réconforta et m'enivra comme un vin généreux. J'étendis les mains, fort, exultant dans la nouveauté de ces sensations. Et tout d'un coup, je m'aperçus que j'étais devenu plus petit. À cette époque, il n'y avait pas de miroir dans mon cabinet. Ce qui se trouve à côté de moi pendant que j'écris ces lignes n'a été apporté que plus tard, dans le but d'observer ces transformations. La nuit, cependant, avait graduellement fait place au crépuscule du matin, un crépuscule sombre, mais qui annonçait néanmoins l'imminente apparition du jour. Je me décidai, sous ma nouvelle forme, à rejoindre ma chambre à coucher. Dans les couloirs étrangers de ma demeure, je vis pour la première fois apparaître Edward Hyde.